vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time Lord, oh time will turn. Time Lord, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Child, we never give the power to the bodied man in this world. Tu es vivant. Child, we never give the power. Un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Adieu la vengeance, la rétribution. Time et l'ordre, Winter, Time et l'ordre, Winter. Le temps parlera, solution des temps. Don't cry my sister. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu et prier avec vous. Avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord parler de la rubrique questions-réponses. J'aimerais répondre un peu aux questions des téléspectateurs qui me suivent dans des réseaux sociaux. Il y a un téléspectateur qui m'a écrit un courrier, qui m'a posé une question. Pourquoi toi qui es un afro, ou bien black, ou un noir, tu méprises les afros, et tu es pour la politique impérialiste française? Voilà une question. Vous voyez, cher ami, j'aimerais m'adresser surtout à la population afro et africaine qui est en France et qui est dans le monde. J'aimerais un peu rester dans ce sujet. Je suis un Africain d'origine, français d'origine africaine. Je suis fier de mes racines et j'aime mon pays d'origine. Et je compte y retourner pour me battre et apporter ce que je peux apporter pour le progrès et la restauration de mon pays. Mais il y a une réalité. Soyons réalistes. Ne soyons pas idéalistes ou utopistes. Soyons réalistes. Je m'adresse spécialement à mes compatriotes afro, la nation noire dans le monde. Et ce que je n'accepte pas, c'est d'abord, vous allez constater, la plupart des gens dans les réseaux qui traitent la France d'impérialiste, qui dénigrent la France,
qui accusent la France de tous les maux, et vous allez constater qu'ils sont en France. Ils vivent en France, ils mangent les allocations de la France, et ils sont bien. Ils aiment bien la France. Mais dans les réseaux, la France c'est le diable, la France c'est l'impérialisme. Je suis d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec la politique de la France. De l'ancienne politique de la France, et si c'est pas, si ça continue actuellement, je suis pas d'accord avec une politique impérialiste. Mais le vrai problème, c'est quoi? Même les Français aujourd'hui. D'ailleurs, la France a aussi, est contre l'esclavage aujourd'hui. La France, c'est le seul pays au monde qui a reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Donc, ça prouve que la France d'hier et d'aujourd'hui, comme tout le peuple, évolue. Soyons réalistes, regarde bien l'exemple de la France et l'Allemagne, deux pays qui se sont détruits durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont réalistes et ils sont devenus des pays amis, des pays frères, parce qu'ils ont compris que pour leur survie dans le monde, il faut qu'ils s'unissent. Le problème, c'est que nous, les Afros, on est trop émotifs. Nous, les Afros, on est tellement émotifs qu'on n'est pas apte à voir la réalité en face. On ne veut pas voir la réalité en face. C'est comme a dit quelqu'un, lorsque quelqu'un prend conscience de sa maladie, c'est le début de sa guérison. Lorsqu'on reconnaît qu'on a un problème, qu'on est malade, on peut maintenant cheminer vers un traitement. Mais tant qu'on nie sa maladie, et un jour, la réalité, l'évidence, sera grave et fatale. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a deux attitudes. Il y a des gens qui se victimisent. Beaucoup des Afros se victimisent. On est pauvre à cause de la France, à cause des Blancs. Haïti est toujours pauvre. Hein? Haïti est toujours pauvre à cause de la France. Mais l'île voisine, la République dominicaine, hein, le pays voisin qui est là, qui est dans le même île qu'est Haïti, ils se sont développés. Quand vous regardez l'état économique de la République dominicaine, et vous regardez Haïti, c'est le jour et la nuit. Et qu'est-ce qui se passe dans nos pays afro, partout? Nous les Afros, on a un problème avec le pouvoir. Nous les Afros, on a un problème avec le pouvoir. Mais ce n'est pas que nous. Mais le pire, c'est que ces caractéristiques, tous les pays Afros, lorsque notre frère Afro prend le pouvoir, il ne veut pas le lâcher. Il peut faire 40 ans, 50 ans. Ils ne veulent pas le lâcher. C'est comme un macaque qui est accroché sur une mangue et qui ne veut pas la lâcher. Et maintenant, vous le savez vous-même, combien de présidents afro actuellement sont en train de changer la constitution pour rester toujours au pouvoir. On a un problème. Et lorsque quelqu'un veut rester au pouvoir, alors il a besoin du soutien de l'Occident, du soutien militaire de l'Occident. Et pour y rester, alors il vend le pays, il se compromet avec l'Occident, il a besoin d'acheter et de corrompre les députés pour qu'ils votent un changement de constitution ou qu'ils jouent son jeu, et il a besoin de corrompre les députés. Alors c'est toute une classe politique qui est corrompue avec toutes sortes de détournements de fonds. C'est le premier problème que nous avons dans tous les pays noirs d'Afrique et partout où nous sommes. C'est la corruption. Et chers amis, d'accord, la France, l'Europe a une part des responsabilités, mais est-ce que nous, les Afros, n'avons-nous pas une part des responsabilités? Moi, je suis un homme de Dieu, hein, je ne suis pas un politicien. Et je vous parle clairement, je vous parle franchement. Je ne suis pas un politicien. Je vous dis la vérité, bien sûr. Ça déplaît à certains. Et je regrette que nous soyons aujourd'hui, nous les Afro, champions du monde en insultes.
on ne supporte pas le débat contradictoire. Nous sommes trop émotifs, on ne supporte pas les débats contradictoires. Quelqu'un peut avoir des idées contraires à la sienne, mais ce n'est pas la raison pour laquelle la personne te déteste ou qu'il faut le prendre comme un ennemi. C'est dans la confrontation des idées que naît la lumière. Mais si chaque fois qu'il y a débat, il y a contradiction, et dans notre inconscience collective, nous confondons les idées d'une personne et la personne. Au lieu d'attaquer les idées, d'argumenter, on se complaît à insulter, à dénigrer, à mépriser. C'est regrettable, et c'est l'attitude de la plupart de mes frères afro. Regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que nous supportons pas les débats. Nous sommes aptes à insulter. C'est la raison pour laquelle les dictatures, l'Afrique noire est devenue un terrain propice aux dictatures. Hein? C'est les dictatures qui sévissent dans ce pays parce que nous ne savons pas faire la part des choses. Donc, je ne pense pas que ce n'est que l'Europe qui est à l'origine du malheur de l'Afrique. Allez-y un peu voir la Chine. La Chine a été dominée, colonisée, a été écrasée par les Japonais. Mais ils se sont relevés. Maintenant, ils se sont développés. Allez-y voir, il y a plein de pays qui ont été colonisés comme le Brésil. Le Brésil s'est relevé et vous le savez bien. Que ce sont des descendants européens qui ont relevé l'économie du Brésil. Nous les Afros au Brésil, nous sommes dans le sport et dans la musique, dans tout ce qui est divertissement. Mais l'économie est tenue par les descendants européens. Vous le savez bien. Donc le problème c'est ça. Le vrai problème c'est ça. Est-ce que allons-nous éternellement nous victimiser, accuser de l'Europe, alors qu'il y a plein de choses dans nos pays, plein de comportements que nous avons, que nous ne voulons pas changer, que nous ne voulons pas reconnaître. La corruption qui sévise comme en Haïti, les gangs, ces gangs-là, ils sont pas formés par l'Europe. Ces gangs-là qui détruisent leur propre pays. Et je vous dis, actuellement, par exemple, quand nous voyons en Afrique, il y a des Africains noirs qui vendent leurs sœurs, leurs cousines dans les pays du Golfe. Et j'ai lancé une sonnette d'alarme. Il y a un trafic d'organes. On appelle, ce sont des gens qui disent à leurs sœurs, à leurs cousines, en général des femmes, il y a un travail domestique au pays du Golfe. On leur envoie le billet. Et quand ils prennent le billet, ils s'en vont là-bas. Et une fois qu'elles sont là-bas, visite médicale, certains sont anesthésiés et ils sont tués. On prend leurs organes, on les vend. Un cœur, ça vaut 300 000 euros. Le rein, ça vaut 200 000 euros. Et voilà, c'est un trafic qui est devenu puissant. Et toujours, malheureusement, avec la complicité. Parce que ce genre de trafic ne peut pas exister sans qu'il y ait des complices locaux. C'est regrettable que nous soyons prêts même à vendre nos propres frères et sœurs. D'ailleurs, l'histoire l'a montré. Nos rois ont vendu certains de leurs peuples en esclavage pour l'argent. Et aujourd'hui, nos présidents vendent les terres africaines, vendent le pays à l'Occident pour l'argent. Et maintenant, nos propres frères, certains de nos frères, vendent leurs frères, leurs sœurs, leurs voisines afro. Nous avons une attitude à remettre en question. Donc voilà, je répondais à ta question. Je ne suis pas pour la politique impérialiste de la France ou la politique impérialiste de l'Europe, non. Ce que ma démarche est simple. Je ne suis pas pour la victimisation et je ne suis pas aussi pour l'irresponsabilité. Bien sûr, l'Europe a une part des responsabilités dans la situation actuelle de l'Afrique, d'accord. Mais nous aussi, nous avons une part des responsabilités lorsque nous faisons des enfants comme des lapins. Et ce n'est pas le blanc qui te fait faire des enfants comme ça, voyez.
nous devons contrôler notre démographie, comme l'a fait la Chine. Si les Chinois ont pu le faire, ils ne sont pas des surhommes. Et pourquoi nous en sommes incapables? Donc, je ne suis pas là pour faire parler politique, mais je pense que nous devons tous prendre conscience de la réalité, réveiller la conscience black. Réveiller la conscience black, il est temps que nous puissions nous prendre en main. Nous n'allons pas continuer à accuser l'Europe de tous les maux, de tous les malheurs que nous vivons, et puis assister à la mort de notre jeunesse. D'ailleurs, prochainement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la jeunesse africaine n'a plus d'issue que venir tenter de traverser la mer Méditerranée. Et c'est simplement parce que en Afrique, le système corrompu de toutes ces dictatures ne donne pas un perspective d'avenir à la jeunesse africaine. Quand vous êtes noir africain né en Afrique, vous pouvez avoir des bonnes idées, vous pouvez être intelligent, mais pour que vous ayez un prêt bancaire, vous devez être fils de quelqu'un, vous devez appartenir à la classe politique corrompue, sinon vous n'avez aucune perspective d'avenir. Alors cette jeunesse-là, les banques africaines sont prêtes à prêter l'argent aux étrangers qui ont des moyens, mais on donne à l'Africain natif aucune chance. Alors ces gens, comme on dit, ils n'ont qu'un seul choix, émigrer en Europe pour rêver. Voyez, pour rêver. Vous savez, le rêve fait vivre. Le rêve fait vivre. Alors j'ai une deuxième question qu'on m'a posée par un musulman. J'aimerais répondre à cette question. Et il m'a demandé quelque chose de très important. Voilà sa question que je trouve très intelligente. Il dit, mais nous les musulmans, nous reconnaissons Jésus comme prophète, nous reconnaissons Jésus comme un grand prophète, mais nous comprenons pas pourquoi vous les chrétiens, vous le prenez pour un dieu. Voilà. Et voilà. Alors pour répondre à ta question, je veux répondre à ta question par le Coran. Quand nous allons lire le Coran, le sourate 19, verset 16 à 37. Ouvre ta Bible dans le Coran. Sourate 19, verset 16 à 37. Je vais lire pour vous. Et dans l'écriture, mentionne Marie quand elle s'est retirée de sa famille en un lieu oriental et qu'elle disposa un voile en deçà d'eux. Nous lui envoyâmes notre esprit. Ici, on parle de Jésus. Il est esprit. Nous lui envoyâmes notre esprit et il s'offrit à elle sous la forme d'un mortel accompli. Je me confie dans le bienfaiteur contre toi, dit Maria. Puisses-tu être pieux. Vous voyez, donc, le Coran reconnaît que Jésus, il est esprit. Nous lui envoyâmes un esprit. Donc, le Coran reconnaît que Jésus est esprit. Jésus n'est pas un humain comme tous les êtres humains. Tous les prophètes, je dis bien tous les prophètes, Abraham, Moïse, tous les prophètes sont nés à partir d'un rapport sexuel. Voyez. Mais Jésus n'est pas né des rapports sexuels humains. Tous les prophètes ont péché, mais Jésus n'a pas péché. Et d'ailleurs, le Coran reconnaît que Jésus avait le pouvoir de créer. Il a créé un oiseau. Nous allons voir que même la Torah aussi, la Torah dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et bien sûr, les évangiles aussi, la Bible,
dans Jean chapitre 1, le livre, l'évangile de Saint Jean chapitre 1, verset 14, on dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, on l'appelle Fils. Pourquoi? On l'appelle parce que le terme Fils dans la culture hébraïque ne signifie pas obligatoirement enfant. Le terme Fils a une notion de descendance, de nature. Les fils, un fils, on dit fils de l'homme pour désigner une personne qui appartient à la race des hommes. Les fils de Dieu désignent des êtres spirituels qui sont esprits. Et Jésus est appelé fils unique parce que c'est la seule manifestation de Dieu en forme de fils. J'aimerais, un jour, je posais un musulman, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il m'a dit rien. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui vous étonne que Dieu prenne la forme humaine pour parler aux hommes? Si moi j'étais Dieu, je veux parler avec les fourmis, je veux vivre parmi les fourmis, communier avec les fourmis, et si j'avais tout le pouvoir, je deviendrais une fourmi. Parce que je ne peux pas entrer en contact avec les fourmis, avec toute ma, avec ces êtres qui sont aussi minuscules, sans leur faire du mal. Alors, pour pouvoir les comprendre et les aider, je prendrai la forme d'une fourmi, pour vivre parmi eux, pour vivre un peu leur vie. C'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Il y a des versets coraniques, des versets bibliques, des versets dans la Torah qui montrent que Jésus est réellement le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est le Verbe de Dieu. Le Coran le dit clairement, Jésus est le Verbe de Dieu. Le Coran reconnaît que Jésus est vivant aujourd'hui. Le Coran reconnaît qu'avant le jugement, c'est Jésus qui reviendra. C'est pas n'importe quel prophète qui reviendra. C'est Jésus qui reviendra pour le jugement. Donc, Jésus a bien existé avant Abraham. Jésus a dit, avant que Abraham ne soit, je suis. À cette parole, les Juifs ont voulu ramasser de pierres pour les lapider. Voilà un peu ce que j'espère que j'ai répondu à la question de cet homme, de ce musulman qui voulait comprendre un peu la divinité de Jésus. Alléluia. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier. Eh bien, et si vous avez des questions encore à poser, vous allez dans mon site onction.com, vous pouvez laisser des questions, je vais vous répondre, parce que nous sommes là pour faire un échange. Nous sommes pas là, je suis pas là seulement pour monologuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur la prière. Toute cette semaine, nous avons parlé de la prière. Pas cette semaine, je dirais plutôt tout le mois. Nous avons commencé par parler de l'histoire de la guerre entre Israël et Amalek. Ceci est une illustration de la guerre spirituelle. Vous savez, la guerre spirituelle n'est pas une fiction, c'est une réalité. Nous vivons dans un monde où il y a des esprits. Nous vivons dans un monde qui est envahi des esprits. Vous voyez? Et nous avons besoin vraiment que Dieu puisse nous aider tous à comprendre les enjeux. Le monde spirituel existe, bien aimé. Voyez, Satan existe, il est bien organisé. Mais Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est extraordinaire.
Il a dit aussi, si mes paroles demeurent en vous et que vous demandez, et vous demeurez dans mes paroles, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et il va rajouter, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez ce que vous voudrez et je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Certaines versions disent complète. Donc nous voyons que Dieu est celui qui exauce les prières. Mais nous avons constaté que beaucoup de chrétiens, même moi qui vous parle, il y a des choses que j'ai demandées à Dieu que je n'ai pas encore reçues. Mais vous savez, quand Jésus-Christ s'est dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai », ici, il parle de l'exaucement dans les cieux. Voyez, lorsque Daniel a commencé à prier, lorsque Daniel a fait 21 jours de jeûne, l'ange Gabriel lui a dit, dès le premier jour, il a été exaucé. Dès le premier jour, il a été exaucé dans les cieux. Dieu l'avait déjà exaucé et envoyé l'archange Gabriel pour lui amener la réponse. Sauf que, en venant, l'archange Gabriel a rencontré le roi de Perse, une puissance qui dominait l'empire perse, qui s'est opposée à lui. C'est la raison pour laquelle la réponse lui est pas arrivée, ne lui soit pas parvenue dès le premier jour. Il a fallu qu'il jeûne jusqu'au 21e journée pour que Dieu envoie l'archange Michel pour épauler l'archange Gabriel, afin que le message, la réponse, arrive à Daniel. Ce passage biblique est très important et nous montre la réalité spirituelle. Il y a des puissances des ténèbres qui sont soit dans votre famille, qui sont soit dans votre pays, qui sont soit dans votre continent et qui sont là pour s'opposer à votre prospérité, s'opposer à votre réussite, bloquer votre travail, bloquer votre santé. Ce sont des réalités. Et face à de telles puissances, c'est le jeûne et la prière qui est la solution. Jésus-Christ lui-même dit, ce genre de démons, ou autrement dit, cette catégorie des démons ne partent que par le jeûne et la prière. Lorsque les disciples ont voulu chasser un démon et qu'ils ne sont pas parvenus, ils ont posé à Jésus, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus leur avait répondu, ces sortes de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Autrement dit, il y a certaines situations, certaines victoires que vous ne pourrez expérimenter que par le jeûne et la prière. Alors nous avions parlé des Amalek qui étaient en guerre. Revenons à notre sujet de début. Amalek qui était allé barrer la route à Israël pour l'empêcher de progresser vers sa destinée. Et il y a eu combat. Josué combattait dans la plaine avec l'armée d'Israël et Moïse, Aaron et Hur combattaient au sommet de la montagne dans la prière. Vous voyez, il y a deux combats dans les deux dimensions. Il y a une dimension terrestre, malheureusement, que beaucoup de chrétiens ignorent. Certains sages disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous voyez, Dieu n'a pas dit que on ne doit pas chercher le travail, on ne doit pas étudier, non. Nous avons certaines responsabilités que nous devons accomplir. Vous voyez, le problème c'est d'être équilibré. Être équilibré, avoir le cœur dans le ciel et les pieds sur terre. Et actuellement, surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens déséquilibrés
qui explique un exemple, qui explique tout. Si vous commencez à manger trop du sucre, vous allez être diabétique. Et si vous avez la diabète, ne dites pas que c'est le diable qui vous a donné la diabète. C'est simplement votre alimentation. Donc, Dieu nous a mis sur terre pour que nous puissions vivre et respecter les lois de la nature qu'il a établies. Donc, il y a certaines situations que nous pouvons résoudre en assumant nos responsabilités en tant que gestionnaire de notre vie, de notre famille, de notre entreprise, de notre église. Vous voyez? Donc, il y avait deux combats. Un combat à la plaine et un combat à la montagne. Mais la Bible dit que lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était plus fort, Israël était faible. Et lorsque Moïse levait les mains, c'est-à-dire que lorsque Moïse priait, Israël était plus fort, Amalek était faible. Donc il y a un combat, il y a un combat qui se passe sur terre. Il y a des réalités que nous vivons sur terre, mais toutes ces réalités dépendent de la prière. Voilà pourquoi je vous dis que la prière doit être la priorité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit faire de la prière sa priorité. Et c'est regrettable, malheureusement, nous n'avons pas toujours compris ça. Nous avons donné priorité à autre chose, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer que cela puisse avoir. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est faible. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont faibles, parfois vaincus par les sorciers, parfois vaincus par les satanistes, parce que nous négligeons la prière. Nous avons fait de la prière une option. Il y a des chrétiens qui prient quand ils veulent et comme ils veulent. Ils n'ont pas compris que le combat se gagne à genoux. Donc voilà ce que voulait nous apprendre Dieu au travers de l'histoire des Israël qui était en guerre avec Amalek. Et c'est là, c'est dans l'Ancien Testament. Et nous voyons bien sûr la situation de Daniel qui a gêné. Bien-aimé, cher ami, il y a certaines percées que vous ne pourrez pas réaliser si vous ne vous engagez pas à prier. Il y a certaines percées, certaines victoires dans votre vie que vous ne pourrez pas expérimenter. Voyez. Alors nous voyons maintenant la deuxième histoire, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. L'histoire de l'aveugle Bartimée que je vais essayer de vous expliquer comment Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Ces deux prédications, jeter son manteau, crier plus fort et jeter son manteau. Le premier message était jeter son manteau. Là, on parlait de Jésus qui allait vers Jéricho. Il n'était pas encore entré à Jéricho, mais il allait vers Jéricho et il avait... Nous avions vu que l'aveugle Bartimée, en s'approchant de Jésus, et quand il a su que Jésus passait sur le chemin, il s'était mis à crier, à appeler Jésus au secours, mais les gens ont essayé de l'en empêcher. Les gens ont voulu le faire taire, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a encore crié plus fort. Ceci illustre un peu un phénomène souvent. Quand vous cherchez Dieu, parfois c'est des gens qui sont croyants, qui par leur comportement vont vous décourager, vont essayer de vous empêcher d'avancer vers le Seigneur. Mais heureusement que cet aveugle n'a pas écouté les gens. Il a crié une première fois. Moi, je pense, je suis convaincu que Jésus-Christ l'a entendu. Jésus-Christ savait où il était, mais Jésus l'a mis à l'épreuve. Et cet homme-là a crié encore plus fort.
Et c'est là que Jésus-Christ s'est arrêté. C'est alors que Jésus-Christ s'est arrêté et a demandé à ses disciples de l'amener vers lui. Donc parfois Dieu a besoin que nous persévérons, que nous payons le prix juste. Vous voyez, il y a un prix spirituel que nous payons. Vous savez, et chaque chose, quand vous voulez prier pour votre mariage, ou quand vous voulez prier par exemple pour la délivrance d'un frère, et que vous voulez prier aussi pour la délivrance d'un pays, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Quand je prie pour une personne, la délivrance, il y a, c'est un jour de délivrance peut-être. Parfois, je n'ai même pas besoin de, même de jeûner. Mais quand je prie pour tout un pays, comme a fait Daniel, parfois c'est 21 jours. Parce que là, c'est un autre combat. C'est comme si vous voulez acheter un vélo. C'est pas avec le même, la même somme que vous allez utiliser pour acheter un vélo. C'est pas avec la même somme que vous allez acheter une Mercedes, par exemple. Donc, les choses ont des prix différents. Et c'est pareil aussi pour la prière. Et c'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Ils prient, ils voient pas une réponse, ils voient pas un changement. Des fois, ils se découragent. Des fois, ils se découragent. Des fois, ils baissent le main. Des fois, ils disent, mais je comprends pas, j'étais allé à l'église. On a prié pour moi, j'ai pas vu un changement. Qu'est-ce qui se passe? Mais je tenais à vous dire, il y a souvent aucun problème. Le diable n'est pas fort. C'est parfois nous qui manquons de la persévérance. Parfois, c'est nous qui ne persévérons pas. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Voilà un peu l'histoire de cet aveugle. Mais maintenant, lorsque Jésus-Christ est rentré dans Jéricho, en sortant de Jéricho, c'est là où il a rencontré l'aveugle Bartimée. Est-ce que l'aveugle Bartimée avait entendu parler de la guérison de notre aveugle? Et lui aussi, il a voulu avoir sa guérison. Et lorsqu'il a vu Jésus, il s'est mis aussi à crier. Et Jésus l'a mis à l'épreuve, mais cette fois, le même phénomène, les gens qui étaient autour de Jésus commençaient à l'empêcher de crier, mais il a crié plus fort. Et cet homme, sûrement, il avait un gros manteau, peut-être qui était trop lourd, ou qui le coinçait quelque part, je ne sais pas, mais il a jeté son manteau. Et lorsqu'il a jeté son manteau, quand Jésus a entendu d'abord l'aveugle Bartimée, il a dit, laissez-le venir. Il n'a pas dit, amenez-le, mais laissez-le venir, qu'il fasse lui-même la démarche. Et quand l'aveugle Bartimée s'est levé pour venir, c'était son manteau qui était un obstacle. L'aveugle Bartimée a jeté son manteau et il s'est approché de Jésus. Et il a été guéri. Alléluia. Plusieurs fois, nos manteaux, on a vu ça, notre caractère, des fois, est un obstacle pour que nous puissions recevoir notre destinée. Nous avons des différents manteaux qui nous empêchent. Ça peut être ta susceptibilité, ça peut être ton orgueil, ça peut être ta fierté. Nous avons, des fois, ça peut être même ta convoitise. Tu aimes trop les femmes. Beaucoup d'hommes ont ce problème-là. Ils aiment Dieu. Ils veulent venir à Dieu. Et sauf que, quelque part aussi, ils aiment trop les femmes. Ils aiment trop la vie mondaine. Vous voyez? Et le péché, d'abord, nous enveloppe facilement. L'apôtre Paul dit, le péché est le fardeau qui nous enveloppe facilement. Ça alourdit notre vie chrétienne, les soucis, le péché. Mais il faut que nous apprenions à nous faire violence. Il faut se faire violence pour vivre la gloire de Dieu.
C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous. Faites tous vos efforts pour rajouter la foi, la vertu, la charité. Faites tous vos efforts. Nous avons un effort à faire. Voyez, le vrai combat, ce n'est pas contre le diable. Vous savez pourquoi? Et parce que le diable a déjà été vaincu. D'après la parole de Dieu, le diable a déjà été vaincu. Le vrai combat, c'est nous-mêmes contre notre chair. Nous devons arriver à nous dépouiller du vieil homme. Nous devons arriver à nous dépouiller de ce vieil homme qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, qui est un véritable obstacle à notre épanouissement. Nous devons crucifier la chair et ses œuvres. Voyez, la parole de Dieu dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. L'aveugle Bartimée s'est débarrassé. Vous savez, nous avons toujours quelque chose à abandonner pour vivre la gloire de Dieu. Moïse, dans le désert, il avait vu un buisson. La Bible dit que le buisson était en feu, mais ça ne se consumait pas. Lorsqu'il a voulu se détourner pour voir de quoi il s'agissait, Dieu lui a dit, ôte tes sandales, car la terre où tu es est sainte. Nous avons tous à ôter nos sandales. Ici, c'est symbolique. Les sandales représentent ton comportement, ta manière de marcher, tes motivations, tes ambitions. Nous avons des choses à ôter pour nous rapprocher de Dieu. Ça peut être la colère. Ça peut être la convoitise, la cupidité. À chacun ses sandales. Nous avons tous quelque chose à ôter. Lorsque le prophète Élisée a ramassé le manteau d'Élie, la première chose, il a déchiré ses vêtements pour mettre le manteau d'Élie. Ceci, c'est l'image de dépouillement. Nous devons déchirer nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes. Dans Timothée, dans 2 Timothée 2, la Bible dit, dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Certains d'usage noble, certains d'usage vil, des vases d'argile et des vases d'argent. Mais si quelqu'un se purifie, il sera vase d'usage noble, utile pour son maître. Voyez, si quelqu'un se sanctifie. Mais malheureusement, souvent, nous les chrétiens n'avons pas compris cela. Nous passons des heures à prier. Mais nous n'avons pas abandonné certaines habitudes et comportements qui déplaient au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier, bien-aimés. Nous devons nous sanctifier, nous devons faire de la sanctification notre priorité. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, pour vivre la gloire de Dieu, la première chose, il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. La deuxième chose, c'est la sanctification. Et la troisième chose, c'est la prière. Si vous priez avec incrédulité, ça ne monte pas. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Tout ce que vous demanderez avec prière, par la prière, avec foi, vous sera accordé. Donc la prière, c'est base sur la foi. Et la prière aussi, c'est base sur la sainteté. Car il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Amen. La vraie prière se base aussi sur la sainteté. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, vous voulez vivre la gloire de Dieu? Je crois que la foi, beaucoup l'ont déjà. Beaucoup l'ont. Si vous allez à l'église, si vous priez déjà, vous avez la foi. Vous croyez que Dieu existe, c'est déjà une foi. Mais maintenant, vous devez faire un pas de plus. Vous éloignez du péché. Vous éloignez du péché sous toutes ses formes. Il y a la rancune qui est un péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le mal. C'est la méchanceté.
et Dieu ne supporte pas la méchanceté. La prière ou le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la gloire de Dieu. Et certains disent, mais ah, je suis allé prier, mais je n'ai rien reçu. On a prié pour moi, mais je n'ai rien reçu, je n'ai rien vu. C'est parce que parfois, nous n'avons pas compris la vraie démarche que Dieu attend de nous. Sanctifie-toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Autrement dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils vivront la gloire de Dieu. Voir Dieu, c'est voir sa gloire. Dans la terminologie, voir Dieu, c'est pas seulement voir Dieu dans le ciel. Ils verront l'intervention de Dieu. Ils verront la guérison de Dieu. Ils verront la délivrance de Dieu. Ils verront le miracle de Dieu. Ils verront la provision de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi cet aveugle a jeté son manteau. Si tu es dans une situation difficile, tu veux vivre la gloire de Dieu, et c'est compliqué pour toi, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Dieu est Dieu. Il va se manifester à toi. Il va se glorifier et il va te délivrer. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, répète cette prière avec moi. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, je viens te demander pardon pour tout ce que je puis dire, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je crois que tu es Dieu et que tu existes et que rien n'est impossible à toi. Je veux te donner ma vie, je veux te servir, je veux t'appartenir. Aide-moi à obéir à ta parole. Je prends l'engagement de rechercher la sainteté, de faire tous mes efforts. Et je compte sur l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Et je prends l'engagement aussi de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Je prends l'engagement de me discipliner pour me rapprocher de toi. Au nom de Jésus. Cher ami, Apédiou, tu n'es pas encore vieux. Si on t'a dit que tu es vieux, j'aimerais te dire que tu n'es pas vieux. Tu n'es pas fini. C'est encore possible. Chère maman, toi qui pries pour ta fille, toi qui pries pour ton fils, je ne sais pas, chère sœur, toi qui pries pour ton mariage, je ne sais pas que ce que tu es en train de vivre comme difficulté ou comme... Parce qu'il y a chacun son combat. Hein, à chacun son combat. Et je ne pense pas qu'il y a des hommes sans problème. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, leur problème, c'est l'argent. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de soucis. Où placer votre argent? Ou comment ne pas le perdre? Les gens qui ont des milliards, leur souci, c'est comment ne pas perdre leurs milliards. Parce que l'argent change tout le temps. La bourse varie. Tu peux avoir des milliards aujourd'hui et tu perds. Tu te retrouves pauvre. Donc, chaque personne a ses soucis. Mais Jésus-Christ te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Ta situation n'est pas perdue. Ta situation n'est pas compliquée devant ce Dieu Tout-Puissant. Alors bon courage, nous Katiembe, que Dieu te bénisse. À bientôt. Écoutez-moi ça. Mais si là, c'est vous, mon Dieu, musique là. Aujourd'hui là, nous allons danser pour Jésus. Ah, bougez, bougez. Papa, bougez, maman. Nous allons bouger pour Jésus. Parce qu'elle est au cas danser, au cas bouger. Bon Dieu est content. Dieu siège au milieu de la louange. Bible a dit. Où est l'Éternel avec une danse. Ah ah.
En ces temps-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous l'un de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un messie à radio, tu pries très bien. Un pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir, promisez le fruit digne de la repentance.
S'il te plaît, ne me discrimine pas.